félicitations beaucoup. Le fait que vous avez pris votre temps de venir rencontrer Babalatro, c'est une grande chose. C'est très important. Ça nous honore, ça vous honore, et ça honore même ceux qui ne sont pas présents. Comme c'est une association, et lorsqu'on parle d'une association, c'est toute une communauté, ou bien c'est toute une région. C'est un bon nombre de personnes, ceux qui sont présents, tout comme ceux qui ne sont pas présents. C'est une très bonne initiative. Nous vous encourageons et nous vous félicitons. Parce que venir échanger avec un grand frère et un parent du sang, comme Général Babalatro, d'où même les autres, d'autres clans, d'une autre ethnie, cherchent à le récupérer. Et vous, vous êtes venu auprès de lui, vous êtes ses siens, pour échanger avec lui, c'est une très bonne chose. Et on vous félicite de garder ce cap. Et nous restons en contact permanent. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Bon, vous m'excusez, avant de commencer, on va planter le décor avec la présentation. D'accord, merci beaucoup. Oui, je représente le cercle. Je suis le président du cercle. Merci. Moi, c'est Hissène Garia Banga, je suis le porte-parole de l'association. Madame. Et moi, c'est Fatima Hassan, je suis l'aspect général. Moi, c'est Hissène Mamou, je suis le chargé des affaires culturelles. Moi, c'est Mohamed Taïbi Djibril, commissaire de France. Moi, c'est Aman Michel Mamad, directeur général. Merci, bonjour Babar, et merci pour l'opportunité. Je m'appelle Maïmouna Mim, je suis la chargée des affaires extérieures. Avant tout propos, je vous remercie. Merci. Et ça nous fait plaisir aussi de venir rencontrer notre grand frère. Merci. Père, on peut dire. Tout seul. Et c'est pas pour la première fois qu'on s'est vu, peut-être lui. Donc, bien, on ne sait pas. Oui. La fois passée, on s'est présenté avec notre chef de race. Il nous a fait la présentation lors des campagnes au niveau du quartier centre. Oui. Et ça, c'est pour la seconde fois qu'on est venu pour nous voir. Merci. En tant qu'un grand frère. Merci. Nous, on est une association, dénommée Association Cercle Culturel des Jeunes de Chalibabémi pour le développement et la solidarité. Merci. Notre objectif ici est. Et notre but est de faire une bonne marche, hein, de faire avancer ces pays et particulièrement notre région. Et lui, personnellement, c'est un grand frère. C'est vrai, il a beaucoup d'opportunités. Compte tenu, on peut dire, quelle que soit la personne, avec les autres, on peut te voler avant d'être quelqu'un. Et on est venu ici pour lui présenter, on a notre quête aussi. De notre installation de nos bureaux. Ensuite, nous voulons certaines choses comme ça. On a fait ressortir dans ces demandes. On est venu. On peut dire qu'on peut lui donner ça aussi. Merci. Et ensuite, comme lui, il est là, nous aussi, on est là. Merci. Une association. Et dans cette ville, on peut dire, ou bien dans ce pays, toutes choses, ça commence petit. Petit, avant de se grandir. Très bien. Avec tout ça, nous voulons lui dire que nous, on est toujours présents avec lui. Merci. Si il y a une nécessité Merci. Ou quelque chose Merci. Que nous, on peut le faire, Merci. Notre porte est grandement ouverte. Merci. Vous pouvez nous contacter. Merci. On est toujours avec lui. Merci. Pour les écoler. Merci. Lui aussi, il va nous écoler. Merci. J'espère que ce soit, on peut dire, d'une manière générale. Merci beaucoup. Merci. Anna Ginada, en tant qu'un grand frère, aujourd'hui, Kamaro Babalatro de l'Arna, de Fichat Mayer pour ma fille, comme il faut encore en Afrique en général, parce qu'on est à fou. Et puis, premièrement, sans vous mentir, auparavant, mon avocat Babalatro, c'est l'un de nos grands frères. Grâce à ma chef de race, ma chef présidente de Babalatro, Tudorik Aga, Parcours Aga, tout le monde qui est le chef de race, il est là. Donc, en ce moment, M. Nalodele, 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 il nous a bien accueillis. Vraiment, on a été à l'église.
avoir une personnalité de telle envergure que tu contiens à Nakuda. C'est une honneur. On le suit. Et activité à Gadolmacha Suite, sensibilisation, telle que représentation à Gadolmacha Afrique de l'Est. Bon, on est en contact direct, quoi. Même si ce n'est pas en d'autres termes, on a fait les réseaux sociaux là, on le suit. Donc vraiment, à Chegena, à l'Emdjinalo, en tant qu'une association, on a jeune, on a Charibagumi, c'est un grand frère, il est incontournable. On a fait, c'est pas seulement la première fois, on a visité plusieurs personnalités, donc certains députés pour le National Law, certains directeurs, représentants, on a Wakil, on a Sultan pour le National Law. On a fait ce parcours avec presque des personnalités en Abadim de Pouvoir Bakoulou. Donc, à ça que, voilà, pourquoi pas avec le grand frère général Babalade, pourquoi pas, on a dit, est-ce qu'il y a la possibilité, on a cadre de l'opportunité que nous avons voulu demain à Ténapagina. Donc, au Bidjou, on a Akwan. Donc, c'est une association de tous les Bagriens, tous les gens du Chara Bagri, sans exception. L'important dans le grand nom ouvert, c'est le Kouvarada. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Kouvarada, c'est moi, Tshégué le Kouvarada, c'est chez jeune de Magifi Magda. Et tu courage, quel que soit ton pas que tu veux franchir là, tu ne vas pas douter de quelque chose. Donc, Alina Balinoya, on est derrière lui. Alina Koumidor, beaucoup de Gourmana, portant dans l'envers, Michel, à sa présence. Choses à dire plus que ça. Donc c'est une honneur pour nous de venir auprès de cette personnalité. C'est très important. Donc c'est une association qu'on vient de l'installer tout simplement. Il y a le 6 mars s'est passé en 2020. En 2021, l'installation en langue officielle, on a fait avec des cérémonies, je ne sais pas, qui, au niveau des maisons de la femme. On a aussi fait quelques activités de barre à sensibilisation d'or. On a purifié certains centre de santé par la ligne d'eau avec mon propre moyen de bord. Donc on a fait le premier pas. Mais aujourd'hui, là, sans le partenaire, sans les personnalités avec vous, là, quelle que soit votre association, là, donc c'est pourquoi on a dit nous auprès de lui, peut-être pour nous soutenir moralement, pourquoi pas financièrement, il y a une orientation, il y a un conseil. Je crois que mon chien faut d'aller nous, c'est quoi, monsieur, il y a de l'orientation, d'autres conseils, d'autres, et puis c'est comme ça. Je crois que les autres ont parlé, ils ont dit l'essentiel, mais que cela n'empêche. Comme ils ont dit, nous sommes encore une jeune association. La volonté est là. Nous avons vraiment la volonté de travailler, de contribuer au développement de notre pays et plus particulièrement de notre région, la région du Charibagumi. Et c'est vrai, nous sommes jeunes, mais on ne peut pas travailler comme ça sans orientation de nos aînés. On a besoin de nos aînés qui vont nous épauler, qui vont nous orienter. Donc, raison pour laquelle on est venu échanger avec vous, on a besoin de vos orientations, des conseils, des soutiens d'une manière générale. Donc, je crois que c'est juste ça. Merci. La porte est vraiment ouverte pour vous. Merci. Tout de suite, le frère disait que vous ne croyez pas que vous rencontrez va être difficile. Mais la réponse, je crois que vous l'avez déjà. Merci. Et quand on dit le Charibagumi, remontons un peu à l'historique. On n'est pas seulement jeune d'âge pour vous résumer là. Mais estimez-vous, Irée, que vous appartenez à une grande ethnie qui a fait son histoire dans le temps et même présent. Le Charibagumi, je crois que s'étale tout au long de Delogon jusqu'à Lubangui Charibagumi. Pourtant, j'ai dit que nos parents ont la même mise jusque sur le fleuve Zaïre. S'il y a vraiment l'absence de l'homme bagrimé aujourd'hui, la faute, nous le partageons. Que ce soit vos aînés, ou nous-mêmes aujourd'hui qui se réclamons de la jeunesse de Charibagumi.
C'est de notre faute. Moi, je suis bagué. Les Arabes disent que le bœuf, là, on ne le traîne pas par derrière, on le traîne par devant. Quel que soit mon appartenance, je devais s'en partir. Et oui, c'est quoi? Je suis d'abord bagué. Et partout là où moi je suis allé, j'ai toujours parlé de mon appartenance. Je ne l'ai pas caché. Il faut retrouver peut-être des chercheurs, ceux qui ont beaucoup travaillé avec moi, hors de nos frontières, qui connaissent vraiment mon origine. Mamogo aussi. Et même hier, à l'occasion de Koudaloua, on a rencontré le chef, le canton. Et Youssouf, lui, il a compris. Il m'a fait savoir qu'il a beaucoup écouté parler. J'ai rencontré aussi le chef de campement. J'ai rencontré le représentant, le maire, c'est Joachim. Tout ce monde, le chef de race, c'est mon oncle. Bon, je m'en vais vous dire que cette association que vous avez mise sur pied, si c'est juste, pour vos peut-être besoins que je ne sais quoi qualifier, je veux vous dire ça ne va pas marcher. Mais si vous le faites pour sortir la tête de Chari Baguimi, vous allez gagner. Aujourd'hui, l'histoire de Burkina Faso, c'est le Baguimi. Baguimi qui est resté à Burkina Faso. Dans l'histoire, le monde connaît. Mais ce n'est pas leur problème. Ils ne peuvent pas nous dire, venez, c'est vous qui avez le Burkina. C'est nous qui allons peut-être chercher pourquoi nous avons laissé tomber le Burkina. Et quand je vous parle de l'Ubangi Chari, vous comprenez que je vous parle directement de la Centrafrique. C'est notre appartenance. Nous n'allons pas les laisser comme ça disparaître d'histoire. Là, il faudra que vous, la jeunesse devant moi, compreniez ça et insérez ça dans votre lutte politique, même si c'est associatif. Mettez dans votre programme que l'association, ce n'est pas des petits. Les Nations Unies qui est là a commencé par une association qui est devenue aujourd'hui le regroupement de tous les États du monde. Et je crois que les Nations Unies est née après le Maghreb. Nous avons fait, nos parents ont fait l'histoire à leur époque. Moi, je vais vous dire, vous êtes la bienvenue. Je vais être de votre côté. Je peux faire beaucoup de choses si réellement vous avez la volonté de développer l'homme bagrumien. Et surtout le charé bagrumien en général. Si vous avez la volonté, je serai de votre côté. Et cela va se dire que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Vous aurez tout le monde sur votre dos. Beaucoup des éléments. D'autres vont chercher à récupérer, pas pour avancer, mais pour laisser. Pour enterrer. Pour enterrer votre dite. Parce que l'association Baguimi, c'est pas. Je vais vous dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Si réellement vous voulez réussir. Faire réussir notre appartenance ethnique. Les Baguimiens, vous avez, si je vous parle de Centrafrique, vous avez tout le Sahara derrière. C'est notre appartenance. Vous avez tout le Parana derrière. C'est notre appartenance. Vous avez une moitié du Cameroun. C'est
une bonne partie du Cameroun. Du Cameroun. Marwa, que vous voyez, il y a l'histoire Bangui-Mé là-bas. La plus grande quartier de Marwa. C'est le Bangui-Mé. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Armare. Mais c'est Arma. C'est le Barma. C'est le Bangui-Mé. Armare, c'est un peu. Ils ont seulement modifié Armare, mais c'est Arma. Donc, c'est pour vous dire. Moi, ça, c'est le premier contact. Si réellement vous avez besoin de mon soutien, aujourd'hui, vous n'aurez rien que de vous préparer moralement. Moi, je vous donne le moral. Mais le reste, je crois que nous allons produire ensemble. Moi, je vous donne le moral. Tenez-vous bien, si réellement, nous voulons fondre quelque chose, tenez-vous bien. Mes frères et sœurs, tenez-vous bien. C'est des occasions comme ça qui l'attendent, que nous attendons tous ici. Et une fois de plus, vous êtes la bienvenue.